Hello tout le monde, aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo où comme vous pouvez le voir je suis complètement démaquillée et on va tester aujourd'hui quelques nouveautés de chez NYX puisque pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas forcément sur Instagram, alors si vous ne me suivez pas, mon pseudo c'est pareil qu'ici, juste avec un underscore Urban Unicorn. Je travaille chez NYX maintenant et ça me tente de tester encore plus les nouveautés et donc ça va être principalement des nouveautés de chez NYX qu'on va tester aujourd'hui. Il y aura également un produit de chez Beauty Bay, de la marque Beauty Bay parce que j'avais jamais testé de produits de leur marque. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette intro. Alors je viens d'y penser, j'ai mis mes extensions, mais en fait je crois que je vais mettre une perruque après. Et donc c'est parti, on va commencer par le teint du make-up. Alors pour commencer, je vais attacher mes petites mèches là. Bon, si vous voyez que dans le côté noir il y a des cheveux roses, n'y faites pas gaffe parce que j'ai arrêté de... Enfin j'ai jamais commencé à trier les petites mèches une par une. Pour commencer, on va tester, enfin moi je l'ai déjà testé pour le coup parce que j'avais plus de fond de teint. On va tester une de leurs nouveautés de chez NYX qui est le fond de teint Born to Glow qui se présente comme ceci. C'est un petit tube. Il y a la même contenance que le Can't Stop Won't Stop. Il y a 30 ml. Au niveau du fini, c'est pas pareil que le Can't Stop Won't Stop. Celui-ci, il va avoir la même couvrance que le Can't Stop, sauf que la texture va être beaucoup plus fluide et ça va avoir un fini lumineux. Alors, ça va pas avoir le fini mat du Can't Stop, de toute façon, je vais vous montrer. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément comme il est fluide. J'en mets un petit peu sur ma main, mais pas beaucoup. Moi j'ai pris la même teinte, dans le Can't Stop je suis Warm Vanilla et là du coup j'ai pris pareil et c'est exactement la même teinte. Il aura un fini plutôt glowy, alors moi c'est pas forcément ce que je préfère, mais après si vous poudrez autant votre teint que moi par exemple, bah vous aurez plus ce fini glowy. Mais par contre au niveau de la tenue, je sais que hier j'ai taffé, j'ai commencé à le mettre vers 9h du matin et à 21h bah, il était encore bien hein, mon fond de teint. Il brillait un peu sur le nez, mais ça me le fait avec tous les fonds de teint. J'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors par contre, pour me... mon septum, il est encore un petit peu sensible. Donc du coup, pour me maquiller autour, c'est terrible. Ah oui, on m'avait demandé c'était quoi la petite boule que j'avais au-dessus de mon piercing là. Bah c'est un bouton, en fait. Ensuite, pour l'anti-cerne, le correcteur, je vais garder le même que j'ai d'habitude, c'est celui de chez Tarte, sauf que j'ai changé la teinte, j'ai pris le fer beige au lieu du porcelaine que je me rendais compte qu'il était beaucoup trop clair pour moi en fait. Et même lui je le trouve un peu clair au niveau des sous-tons, il est un peu trop rose pour moi en fait. Mais bon, c'est pas grave hein. Donc on va passer à la poudre et là pareil j'ai rien de nouveau, j'utilise toujours celle de chez Makeup Revolution, la Lace. Et je vais l'appliquer, donc moi je fais un espèce de pseudo baking, si vous avez vu une de mes récentes vidéos où je vous montre comment je fais mon teint. Je fais un espèce de pseudo baking, c'est à dire que je vais mettre beaucoup de poudre sous mes yeux et sur mon nez. Je vais le laisser poser pendant même pas 5-10 minutes, juste le temps que je fasse mon bronzer et tout. Et en fait c'est juste que je trouve que ça aide vachement mon dessous des yeux à se fixer. Et à tenir, même pour mon nez, je trouve que ça permet qu'il brille moins vite. En attendant que ça s'appose, je vais passer au bronzer. Je vais utiliser un de mes... En fait, j'utilise deux bronzers parce que j'en ai deux de chez Too Faced. J'en ai un qui est en fin de vie et qui me sert que pour faire mon nez. Parce que j'ai envie de le finir, j'ai pas envie de le jeter comme ça, mais je peux pas l'utiliser pour tout mon visage parce que le pinceau, quand il va dans le trou, il y a que du produit qui va sur les côtés du pinceau et après ça me fait des traces sur le visage. Et j'en ai acheté un autre de chez Too Faced, toujours c'est le Natural Lost Bronzer que je trouve très très beau comme ça. Hop, et j'aime bien les couleurs, moi j'aime bien les bronzers un peu orangés et celui-ci il est très beau. J'aime bien acheter des beaux bronzers qui me tiennent parce que les Too Faced, lui ça doit faire un an et demi, je l'ai. Et je l'ai toujours pas fini en fait. Je l'avais acheté grâce à une carte cadeau Sephora qu'on m'avait offert à Noël. Et ouais, je l'avais acheté grâce à ça. Et je sais que j'aime bien ceux de chez Too Faced. Je voulais m'acheter une des palettes contouring de chez Too Faced. Aussi, je pense que j'investirai là-dedans. Peut-être le mois prochain, je verrai. Enfin, faut déjà que j'investisse dans un téléphone. Hein, parce que je crois que je vous ai pas montré l'état de mon téléphone. Attendez. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais l'écran est tout cassé. Yes. Avant, je me disais, bon, mon écran est cassé, mais ça va, j'ai mon petit ordi qui se transforme en tablette où je peux regarder mes vidéos. Sauf que je l'ai cassé aussi. Je l'ai rayé, en fait, j'ai rayé l'écran. Et du coup, c'est un écran, c'est un ordi tactile, en fait. Donc du coup, il y a une grosse rayure qui traverse tout l'écran et qui me fait déconner tout le tactile. Enfin bref, voilà, je fais que tout casser dernièrement. Ensuite, je vais faire tout ce qui est un peu partie chiante. Le contouring de mon nez qui me prend un peu de temps parce que je remets de la poudre pareil et après je fais mes sourcils et mes sourcils honnêtement je les fais de moins en moins parce que j'aime bien avoir des sourcils qui sont pas marqués
Je sais pas ce que... En fait, au début, je pensais que comme j'avais un côté noir, j'allais vouloir faire mes sourcils un peu plus foncés, donc un peu en couleur gris foncé. Mais en fait, je me rends compte que non, ça me va comme ça. Donc bon, je vais faire tout ça et je vous passe ça vite fait. Comme ça, on a esquivé la partie chiante. Alors du coup, j'ai fini de mettre ma base à paupières, faire mes sourcils, mais j'avais oublié que j'avais également une nouveauté sourcils à vous montrer. Je sais pas exactement si c'est très récent, mais j'ai le fixateur sourcils de la gamme Bare With Me de chez NYX au chanvre. Donc au chanvre, autrement dit, au cannabis. Je suis pas fan de l'odeur. Je suis pas du tout fan de l'odeur, mais moi de base pour fixer mes sourcils j'utilise mon goupillon et je mets de la laque dessus en fait. C'est la laque, je suis sûre que ça tienne super bien. Mais là je vais tester ce fixateur là et on va voir, la texture elle est un peu... Elle est blanche, il n'est pas transparent. Mais bon, on va voir. Moi je sais que la laque, ce que j'aime bien c'est que ça mouille entre guillemets les poils et ça me les sépare bien. Et c'est ça que j'aime bien. Bon, ça a l'air de bien les fixer et de bien les séparer, mais je suis juste pas fan de l'odeur du produit. J'ai poudré le dessous de mon sourcil et on va passer à la palette. Alors, il y a deux nouvelles palettes qui sont sorties chez NYX. Désolée, il y a mon chien qui aboie. C'est les palettes Mystic Petals. Donc moi, je me suis d'abord procuré celle-ci. Je me suis pas d'abord procuré la rose parce que je me suis dit, bon, j'ai pas mal de fards roses, on va essayer de sortir de ma zone de confort. Et j'ai pris du coup la numéro 2 qui est la Dark Mystic. Et il y en a une autre, une rose. Je vous mettrai une seule photo que j'ai trouvée sur l'Insta de NYX France parce que je l'ai pas du tout vu passer en fait cette palette sur les réseaux. Après, c'est peut-être que j'ai tellement d'abonnements que malheureusement je vois pas tous les posts, mais je suis allée sur le compte NYX. Forcément, il y avait énormément de posts que j'ai manqués et j'ai vu qu'une seule photo des deux palettes en fait réunies. Donc, c'est des petites palettes qui coûtent 12,50 €. Et du coup, la numéro 2, vous avez une harmonie qui est plutôt dans les kakis, dans les neutres. Alors, c'est pas du tout des couleurs vers lesquelles je me serais tournée de base, mais je me suis dit pour varier un petit peu, j'aime bien. En fait, moi, le fard que j'aime bien, c'est le lilas ici, parce qu'il est raccord un peu avec la perruque que je vais mettre après. Mais après, les autres, franchement, quand je les ai vus, je me suis dit, bah, je sais pas ce que je vais faire avec, mais je vais essayer de voir. Je vais commencer du coup par le fard. Vert foncé comme ça, lui je vais le mettre que dans la partie extérieure de ma paupière. Et après le fard rose, vieux rose ici, je vais le mettre après vers l'intérieur. Alors du coup, comme le vert et le rose, c'est deux couleurs qui se mélangent pas normalement. Ici, la limite, le dégradé, j'essaye d'y aller mollo parce que, oups, si je mélange trop le vert et le rose, là, ça va me donner une couleur mais dégueu. Du coup, j'essaye juste de les fondre ensemble mais pas de les mélanger totalement. Ensuite, avec le même pinceau avec lequel j'ai utilisé le rose, mais il n'y en a plus du tout dessus, je vais juste estomper les bords de mes fards pour pas avoir de délimitation. Et ce que je trouve dommage un peu dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard de transition en fait. C'est que au début, je voulais utiliser le rose pour faire une transition du vert pour pas l'estomper juste tout seul, mais au final, bah, ça m'aurait donné une couleur vraiment pas belle. Ça m'aurait donné un espèce de violet terne. Donc bof bof quoi. Alors avant de faire le ras de cils, je suis pas sûre de ce que je vais faire encore. C'est parce que soit je mets quelque chose au ras de cils, soit je mets rien. Parce qu'en fait j'ai été inspirée par encore une fois le film K-12 de Mélanie Martinez. Et elle a souvent, enfin elle a tout le temps dans le film, elle a des petits cils dessinés au ras de cils. Et en fait elle a jamais de fard à paupières en dessous des yeux. Et je trouve ça trop mignon. J'ai déjà essayé de faire avec du fard à paupières en dessous et de rajouter les cils, mais ça fait pas trop. Enfin, ça le fait pas trop et ça fait trop. Là, je vais faire ma queue de crise. Je vais faire une queue de crise classique avec ma base à queue de crise de chez Makeup Revolution. Je vais utiliser la teinte Halo, qui est la teinte blanche. Et avec un petit pinceau plat, je vais délimiter ma paupière. Et ensuite, on va commencer à s'amuser avec les fards irisés.
Je suis en train de réfléchir et je vais d'abord faire une ligne avec le fard lila ici irisé. Je vais en appliquer juste au bord de ma queue de crisse et après je vais repasser une couche d'anti-cerne pour bien délimiter le trait. C'est pas très clair quand j'explique, mais c'est ce que je vais faire pour l'instant. Du coup, je retrouve en voix off parce que mon fichier audio est complètement mort pour cette partie-ci. Du coup, ensuite, je continue d'appliquer les deux fards dorés irisés de la palette. Donc d'abord le plus clair, qui ressort un peu argenté au final à l'écran. Et ensuite, le doré le plus foncé et je les estompe. Enfin, j'estompe de chaque côté dans le vert pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Et je disais que j'étais déçue aussi parce qu'au final, le trait que j'ai fait avec le fard un peu lavande ne se voit pas du tout. Enfin, il ressort pas. Et ensuite, ce que j'ai fait, ce fard lavande pailleté, je l'ai mis aussi en coin interne, mais pareil, il ressortait pas tant que ça. Donc j'ai rajouté un Dazzle Shadow Liquid de chez MAC en teinte Diamond Crumble que j'ai mis par-dessus. Alors ça, c'est un produit à travailler avec les doigts ensuite parce que sinon il arrache tout ce que vous avez en dessous. Et ça fait pas beau sinon. Et ensuite j'ai pris un liner à paillettes de chez Urban Decay en teinte Midnight Cowboy, donc c'est un liner doré, et j'ai tracé en fait la délimitation entre mes fards et ma petite ligne pour que ce soit plus net. Et juste après j'ai pris mon Epic Ink Liner de chez NYX toujours et j'ai commencé à tracer mes petits cils. Donc en fait j'ai dessiné des petits rectangles et j'en ai fait 4-5 de chaque côté à peu près, histoire que ce soit un peu symétrique. C'est minutieux mais moi je trouve que ça fait trop mignon. Ensuite, toujours avec mon Epic Ink Liner de chez NYX, je vais tout simplement tracer mon trait de liner habituel. Et ensuite, je voulais tester un mascara avec vous. C'est une nouveauté de chez NYX, pareil, c'est le Under Eyes, mais comme d'hab, j'ai pas le son de cette partie. Et du coup, c'est un nouveau mascara, donc j'ai pas le moment où je vous le présente, mais là, je vous laisse mon avis. Alors du coup là je viens de mettre le mascara, je vais vous montrer de plus près. Hop, alors si je vous montre là de plus près, vous voyez, bon là ici mes cils ils sont jamais très beaux de cet œil là. Je vous montre plutôt ceux-là. Là regardez, franchement, je trouve que le résultat il est pas mal. Regardez, si je me mets de profil, vous voyez, j'aime bien. Donc du coup là ce que je vais faire hors caméra, je vais poser mes faux cils. Mes faux cils viennent de chez AliExpress, donc je vais vous skipper ça et je vous retrouve pour le blush. Maintenant je vais passer au blush, je vais utiliser la palette Lies of the Party de chez Tarte. Et j'avais besoin en fait de blush neutre et je vais mélanger un peu les deux couleurs ici. C'est des blushs qui je trouve sont très poudreux mais pas forcément très pigmentés. Donc du coup j'en mets un paquet à chaque fois. Je viens de me rappeler qu'en fait il y avait un blush de chez NYX que je voulais vous montrer. Je vais vous le mettre par-dessus, hein, du coup c'est pas grave. Je me suis acheté un blush Sweet Cheek, donc c'est des nouveautés, pareil de chez NYX. Il y a deux types de finis, il y a les mats et il y a les irisés. Vous pouvez trouver les mêmes teintes en fait dans les deux à quasiment. Et ce qui est bien c'est qu'ils ont vachement étendu leur gamme. Il y a des blushs classiques à des blushs un peu plus créatifs. Il y a un blush jaune que je crois que je vais m'acheter. Donc moi j'ai la teinte 4 qui est la teinte citrine rose. Bon, je vais le rajouter par-dessus et je sais qu'ils sont très pigmentés ceux-là. Au final, on va pas voir de blush léger aujourd'hui, hein. C'est pas grave, j'aime bien, j'adore le blush. J'adore ça. Par contre, là j'en ai un peu trop mis, donc bon. Ensuite, pour l'highlighter, alors j'ai acheté une palette d'highlighter. Suite à une vidéo de attention le nom dont il ne faut pas prononcer sur cette chaîne, je rigole hein, mais suite à une vidéo d'Eyo Coralie, la palette est un peu crade, mais suite à une de ses vidéos, elle vantait énormément les mérites d'une des palettes d'highlighter de la marque Beauty Bay, donc du site Beauty Bay, ils ont leur propre marque. Et je sais pas si c'était celle-ci, moi là j'ai la Living My Best Light en teinte ethereal. Et en fait j'ai bien aimé les couleurs des highlighters, qui me font un peu penser à ceux d'Anastasia Beverly, sauf que je les trouve archi pas pigmentés en fait. C'est que je m'attendais pas du tout à ce type d'highlighter.
En fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est peut-être parce que je suis habituée aux gros highlighters de chez Anastasia, de chez Kat Von D qui ont des grosses paillettes dedans, que c'est moi, en fait, j'en attendais peut-être trop. Mais par contre, la palette est vraiment bien. Hein. Je l'ai achetée, je crois, 16€ ou 20€, je sais plus. Mais vous avez un grand miroir, les 4 fards. Mais même la texture des fards, je suis pas fan, en fait. Je vais vous montrer, mais je vais mettre du spray fixateur, j'en ai plus beaucoup, sur les zones où je vais mettre de l'highlighter. Je vais utiliser celui qui est un petit peu violet. Donc je vais mettre mon pinceau dedans. En fait, ça fait comme la poudre holographique de chez NYX. Ça fait que un effet un peu holographique. Je vais mélanger avec le fard Moonlight Muse. Donc l'autre, c'était Whimsical. Et en fait, c'est beau si vous aimez pas les highlighters trop pétants. Mais moi, je crois que je suis trop habituée aux grosses paillettes. C'est pour ça. Du coup, moi, en vrai, il ressort pas comme je voudrais. Mais c'est pas ce que je préfère. Mais c'est joli. Mais j'aurais aimé que ce soit plus... Je m'attendais à vraiment quelque chose de très pétant. Mais je pense que pour les highlighters très pétants, il faut que j'aille vers ceux de chez Jeffree Star. Ensuite, en passant ma commande sur Beauty Bay, j'ai acheté des petites paillettes de la marque The Gypsy Shrine. Donc en fait, c'est des grosses paillettes. Je dis petites, mais c'est des grosses paillettes comme ça. À coller, vous avez un gros pot, en fait il y en a quand même pas mal, et il y a plusieurs motifs en fait dedans, du coup c'est assez aléatoire quand vous le mettez sur votre visage. Donc je vais mettre la Glitter Primer de chez NYX assez aléatoirement sur mes pommettes, donc je vais tapoter comme ça, je vais faire remonter un petit peu parce que je vais plutôt les mettre là en fait, je me rends compte, je vais pas les mettre trop basses, je vais les mettre là. J'ai besoin par contre d'en mettre un tout petit peu sur le pinceau avec lesquels je vais les appliquer parce que sinon elles vont pas s'accrocher. Je vais en mettre un tout petit peu et je vais prendre directement ça comme ça. Voilà. Par contre, ça tombe partout, hein. C'est hyper chaotique. Après, vous en avez partout, mais c'est très très beau. Hop. Ensuite, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais utiliser pareil une nouveauté de chez NYX, les NYX Lingerie Push-Up. Donc ça c'est des rouges à lèvres en forme de stylo comme ça. Et en fait c'est un effet push-up. J'avais déjà testé leurs gloss qui ont cet effet un peu repulpant. Et ça c'est un effet push-up soi-disant. Donc je sais pas si ça va aller avec le make-up, mais j'ai envie de tester des nouveautés. Du coup on va le faire. Ah oui, au niveau des teintes, en fait c'est les teintes que vous pouvez retrouver dans les mats, les lingeries mats. Ils ont ressorti, je crois qu'il y a 14 ou 12, bah là j'ai la teinte 12 exotique, c'est des nudes en fait que vous pouvez retrouver dans les lingeries classiques. J'aime bien. En plus ils sont confortables donc je crois que je vais m'en acheter d'autres. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais mettre ma petite perruque en off et c'est dommage parce que j'aime bien en fait avec mes cheveux ça ressort bien, mais je vais mettre ma petite perruque et on se retrouve juste après quand j'aurai fini tout ça. Je vous retrouve pour la fin de cette vidéo avec ma perruque, donc vous inquiétez pas, la vidéo où je vous montre comment j'ai stylisé un petit peu cette perruque et personnalisée sera en ligne après celle-ci. En tout cas j'espère que ce make-up vous plaît. Concernant tout ce que j'ai pu tester au niveau de la palette, bah moi j'ai beaucoup aimé jouer avec des nouvelles couleurs, j'ai pas l'habitude de jouer avec ce type de couleurs là et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Après c'est pas des couleurs honnêtement hein, que je vais utiliser tous les jours parce que voilà je suis un peu dans ma zone de confort avec les couleurs chaudes, tout ce qui est rose, orange, rouge, etc. Mais ça change un petit peu avec le style de la perruque, ça fait très joli, donc la perruque n'est pas parfaite hein, vous comprendrez pourquoi dans la vidéo d'après. En tout cas j'espère que le make-up vous plaît. Moi je me suis bien amusée à le faire, le petit effet des cils là, j'aime beaucoup, je trouve ça trop chou. Si cette vidéo vous a plu, du coup je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, donc c'est mon pseudo, c'est pareil qu'ici sauf qu'il y a un petit underscore. En tout cas, moi je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye !